J'ai le goût de vous parler d'un sujet qu'on me parle tout le temps. On me parle de ça même quand je travaille pas. Je vais manger au restaurant, je vais prendre un verre. On me pose toujours la même question. Il va comment le marché immobilier? Est-ce que c'est aussi mort qu'en 2023? Ben, en fait, le marché immobilier, cette année, depuis janvier même, il se porte relativement bien. Les gens reviennent dans le marché, les acheteurs sont présents. Il y a eu une première bonne nouvelle, c'est la baisse de taux. Même si le taux directeur n'est pas baissé, les institutions financières ont déjà commencé. Hein. Il y a des institutions qui ont annoncé du 4,99 pour, si on est avec la SCHL, bien, ça fait une grosse différence avec du 6,25 et du 6,50. Donc, les gens sont super contents, les acheteurs sont contents. Les vendeurs sont encore un petit peu craintifs, on dirait, mais de plus en plus, il arrive des maisons sur le marché. Fait que les inventaires commencent à remonter un peu. Fait que c'est le fun pour l'acheteur parce qu'il y a des choses plus intéressantes, il y a plus de choix. Mais comme justement le marché s'en vient vigoureux justement à cause de la baisse du taux d'intérêt, bien, les maisons partent encore vite. Fait que oui, on fait encore plusieurs offres, des offres multiples, puis de la surenchère. Si le produit est bon puis est au bon prix, bien, il va partir en surenchère, puis il va partir rapidement. Donc, c'est super encourageant. J'ai travaillé beaucoup depuis le début de l'année. Je suis super contente de tout ça. Quand on voit que l'économie est stagnante, bien, ça inquiète tout le monde. On prévoit que peut-être que en avril, on prévoit, je dis « on » comme si j'étais un économiste, absolument pas, là, mais il y aurait une rumeur qui court que ça baisserait peut-être en avril au lieu d'en juillet. Moi, j'ai tellement hâte, hein, j'ai un taux d'intérêt variable, alors j'y goûte depuis un an. Alors, yes, on attend tout ça. Fait que si vous avez le goût d'acheter, vous avez le goût de vendre, ben oui, c'est le temps d'arriver dans le marché. Puis les vendeurs, je vous le dis, arrivez tout de suite avant que le marché soit inondé de gens qui ont envie de vendre, puis que il y ait moins de, vous ayez moins le gros bout du bâton. Puis les acheteurs, ben allez-y, il y a de plus en plus de choix. Je suis là, je suis prête à vous aider. Textez-moi, appelez-moi, on visite.